Hey, ouais, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Subnautica et bienvenue donc pour la suite. Aujourd'hui, on se retrouve après avoir fait donc quelques petites explorations, avoir vu le second en chef globalement crever comme un sac. Enfin, on l'a pas vu crever, mais sa capsule était ouverte et va entrer à 300 mètres de profondeur, donc je doute qu'il en ait survécu. Et donc, nous nous retrouvons donc sur la suite après avoir fait donc notre Seamoth et avoir fait quelques objets, dont un qui va nous servir aujourd'hui. Le constructeur d'habitat, voilà. Alors, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'y amuser. Donc, on va faire... Alors, je peux faire des panneaux solaires, je peux faire plein de trucs. Concernant l'amélioration de véhicules. Là, on avait gagné pas mal de trucs, notamment... notamment beaucoup de choses. Et donc, nous allons mettre une base ici, une petite base. On a pour but... d'étendre un peu nos infrastructures. Il commence à être hautement exigu de par la zone. On va faire un petit, une petite balise par acquis de conscience, on sait jamais. On peut servir. Et donc il me fallait du plomb. Du plomb et il me fallait du quartz, il me semble, pour tout ce qui était à côté. Alors, il me semble. Alors, quartz. Je crois qu'il faut une tonne de titane, si je me rappelle bien de, cette fonction-là. Très bien, plaisir. Voilà. C'est vrai qu'on avait chopé du rubis, et pas mal de bordel avec tout ça. Donc, commençons et mettons genre notre base ici. Hop là. Une très bonne chose. Voilà. Donc, je pourrais en coller d'autres. Mais alors, donc... Ensuite, nous allons pouvoir avoir l'autre qui me pète à la gueule. Tout va bien, je suis pas vexé. Alors, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour le moment avoir notre premier compartiment. Deuxième compartiment. Bon, faisons les choses simples pour le moment. Faisons les choses simples. Mais simple à quel point? Merde, il faut du titane. Il faut du titane, je n'ai pas de titane sur moi. Où sont mes déchets? Où sont mes déchets? Mes déchets, j'en avais là, voilà. 8 de titane supplémentaire. Voilà, allons-y. Ceci est hautement appréciable, hein, clairement. Personnellement, j'aime bien. Alors, je voudrais faire un test, on va voir si ça marche. De toute façon, ça ne marchera pas et ça va être un échec lamentable. Et je pense savoir pourquoi ça va être un échec lamentable, mais on sait jamais. Voilà, et donc là... Ah, peut-être pas. Le jeu est très bien fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, nous allons mettre une écoutille. Et donc là... Voilà. Ah oui, évidemment. Sans oxygène, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué. Après, je l'ai mis là, mais est-ce que... Non. S'il vous plaît. Ah oui, déconstruire. Merde, il me manque une touche en fait. C'est juste ça, il me manque juste une touche. Ça, on va mettre quoi? Voilà. Non. Là. Voilà. Et j'ai envie de voir... Oui, c'est ça, on peut les mettre au-dessus aussi. On va la mettre au-dessus parce que je trouve ça plus stylé. Même si ça fait techniquement aucun sens. Là, ensuite, il me faut... Alors, c'est ça. On va essayer d'à peu près de bien le centrer. Je manque de quoi? De tout. Au moins, c'est simple. Au moins, on simplifie la vie sur la question. Il manque de tout.
va simplifier la tâche par contre, ça c'est sûr. Donc fouillons un peu. Trouvons des débris. Et continuons notre base. Un titane. Soit. Ça je pourrais le scanner, ça me ferait du titane aussi. Donc on va mettre ça. Je n'ai pas besoin de mon réparateur pour le moment. Voilà, ça c'est bon. Tac. Voilà. Avançons, avançons. Ok, ok. Pour le moment, tout va bien. Je ne me plains pas, très clairement. Ah, ok. Augmente B à véhicule mobile. On va en avoir récupéré du titane. Avec tout ceci. Alors, parce qu'ici, puisque je sais que la dernière fois, il y avait beaucoup de quartz. Je vais tout récupérer. J'ai l'impression. Déception. Éternelle déception. Je vais en trouver autre part. Alors ça va me péter à la gueule, je sais, c'est les nids. Les nids de merde. Voilà. Je prends les bulles. Si le jeu veut bien m'en donner un peu plus. Bon, ça suffira pour le moment. Voilà. Cherchons du quartz, cherchons du quartz. Où peut-il bien être? Il veut pas, hein, le salaud. Voilà. Je vais scanner. Merde. Ah, secours! Il a décidé de sortir maintenant! Saloperie! Oh, il souffre. Saloperie, saloperie, saloperie. Voilà, ça c'est magouillé au moins. Mais j'avoue que là, 2 de quartz, ça fait peu. Ça fait très peu. Alors. L'avantage, c'est que ces requins, ils font souvent mumuse. Alors, déjà avec moi. Moi, je ne veux pas. Du titane, un véritable plaisir. Tube de corail géant, bah écoute, s'ils le veulent. Alors, j'ai bientôt pas de batterie sur ce... sur cette machine. Pour autant, je vais pas être trop dramatique. Et quand même. Une radio, ok. La radio s'est illuminée. Il y a beaucoup, beaucoup de quartz ici, beaucoup de ressources de manière générale, qui est hautement appréciable. Je vais douiller. Je vais douiller parce que je n'ai absolument pas... je n'ai plus de batterie dans... alors, ceci, on va le décharger. Voilà. Voilà, on est bon, on est pas mal. Un peu de soufre en plus. Bonjour,
Non, ça, on va s'éviter ceci. C'est gentil. Je décline votre invitation à mon terre-plein, très bien. Je décline votre invitation. Hop là. Donc. Revenons là où nous en étions restés. Il dort avec les yeux fermés. J'ai l'impression, bon écoute, tu le souhaites. Voilà. Power restored. All primary systems online. Je vais partir du principe qu'on va en faire deux. Histoire de s'assurer un peu que le bousin fonctionne. Je pense que ça peut être appréciable. J'imagine par contre que ça marche pas très bien en profondeur. Alors, bon, beaucoup de choses dont je n'ai clairement pas le matériel pour. Ah, je n'ai pas de verre. Évidemment, donc ça va être un peu compliqué si je n'ai pas de verre. Rentrons dedans. Hop là. Welcome aboard, Captain. Donc, j'ai pas mal, j'ai de quoi faire absolument tout ce qu'il me faut pour le moment, donc. Faisons en conséquence tout ce qu'il me faut. Je pourrais avoir ça. Tac. J'avoue qu'un aquarium, ça ferait à la fois un garde-manger très pratique. En même temps, il me faut déjà aussi énormément de zones de stockage. Mettons notre premier stockage juste ici. On va en mettre un deuxième. Alors, au bon endroit, c'est-à-dire à peu près de manière parallèle, voilà. Donc là, nous avons des armoires. Ouvrir l'armoire, on va y vider tout notre bordel. Donc là, on va y vider toutes nos piles de vides. Avec le temps, on verra. Je sais pas comment on va s'organiser tout ça, mais en tout cas. Ça peut servir. Ensuite, alors, je voulais faire quoi? Je voulais faire du matériel. Alors, c'est où? Alors ça, ce serait bien, mais en même temps, je crois qu'il faut un truc que je n'ai pas. Donc autant dire que on s'en fout un peu. Ok, je vous laisse ça. Ça, c'est le prochain truc qu'on fait avec ça, en bas. Ok, donc pour ça, il me faut beaucoup de choses que j'ai laissées en bas, mais c'est pas grave. On va assurer le coup. Alors, il me faut un de titane. Alors, deux de cuivre, ok. Il faut deux d'argent. Un d'argent ici, probablement. Au moins un d'argent au-dessus. Et on va regarder après la radio. Hop. Un autre d'argent. Ok. On ira faire à boire juste après. Hop là. Et hop là. J'ai de quoi faire des batteries. Et il manquera juste un corail. Corail, pour ça, il me faut mon koutal. Mon koutal. Hop, là, j'ai coupé le premier. Voilà le deuxième. Parfait. Bah écoutez, on peut commencer à descendre en bas. Hein. On peut commencer à descendre dans cette base. Enfin, cette base. Dans ces quatre tuyaux. Voilà. On va faire... Non, où est-ce qu'on va les placer? On peut les placer là, en même temps, tu me diras. Tac. Alors, il me faut quoi? Il me faut ceci. Pareil bas, mais c'est peut-être moi. Et je voulais ceci aussi. Voilà. Très bien. Ça, je suis très content de l'avoir trouvé aussitôt dans le jeu. Parce que ça nous permettra de recharger nos piles.
comme celle-ci. Et donc, avoir une autonomie en pile, avec les piles, qui est plus confortable. Maintenant, il me faut de la flotte. Enfin, il me faut manger, il me faut tout. Voilà. On va aller chasser de la bestiole. On va faire un génocide. Absolument tout ce qui s'y trouve. Et oui, toi, je te prends ta bouffe, tu m'excuseras. Je te laisse te faire encore les dents. Voilà. Sur les plaques et les débris métalliques. Merci. Hop, voilà. Donc maintenant, ça. Alors ça, on dégage, ça, on dégage. Parfait. Maintenant. Un pochon. Deux pochons. Trois pochons. Ensuite, un pipeur. Deux pipeurs. Déjà, on va manger tout ça, on va voir après. Un, deux, trois. Tac. Vous avez de la chance, vous... Oh, quoique. Quoique. On va être salaud. Attends, non. Dedans. Dedans, j'ai tout ce qu'il faut. Oula. L'autre, il a... Bah, bonjour, mais... Bé. On va rien dire. On va faire... On va prendre du quartz. Ok, on a 16% de rechargement de la batterie. C'est une bonne chose. Ensuite, on va faire du verre. Et je pense que vous voyez très bien où je vais en venir. Juste, faut que je le retrouve. Que je retourne ici. Alors... Oh, merde, c'est grand. Ah, oh, merde, c'est plus grand que ce que je pensais. Ah, merde. Ouais, je n'ai pas de salle, j'ai rien qui pourrait faire quoi que ce soit. Est-ce que j'ai quoi là-dedans? Un titane. Est-ce que je peux faire genre le pire truc du monde? C'est-à-dire faire un aquarium dans l'eau, genre vraiment emprisonner des poissons? Non, le jeu veut pas. Ok, ce n'est pas grave. Bon, allons prendre un petit coup de radio, prendre quelques nouveautés. Ce n'est pas grave. Les poissons sont très bien avec moi. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ok. Donc tout ceci est fait, tout ceci est bon. Donc nous avons notre petite base, hein, notre toute petite base de début, hein, très sincèrement. Et je ne sais pas quoi faire. Bah déjà, je vais vider mes poches. Et surtout, je vais retirer des trucs qui ne me servent pas. Faut que je... Hop là. Tout ça, déjà, voilà. Ensuite, ça. On va épurer un peu l'inventaire. La lampe, techniquement, elle ne sert plus. Alors, ce qu'on peut faire, par contre... Avec cette même lampe, c'est hop là, hop là, hop là. J'ai une question, ça a de la batterie? Eh bien, décharger la pile. Regarde, alors, 1, 2, 3. Voilà. C'est sûr que ça va me consommer sûrement un peu d'énergie, mais bon, tant qu'il fait jour, je pense que les... Que tout va tenir. Non, merde. Je... Hop là, tac, 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 tac. Le Gary Fish et tout. Voilà. Vous êtes libre de vivre de votre vie. Faites gaffe, il y a du gaz. Oh putain. Et ça lâche. Ça se lâche ici. C'est une catastrophe. Et j'ai pas vidé tout ce que je voulais. Bon, je vais les mettre dans les coffres juste là. Ce n'est pas là. Donc nous avons notre base qui fonctionne somme toute très bien. Ça et ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout moins, mais... Ah oui, ça, j'admets qu'on va moins s'en battre les couilles. Ça pourrait être appréciable, hein, quand même, d'avoir... Et aussi, le constructeur d'habitat. Qu'est-ce que j'en ai à branler? De l'avoir sur moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Rien. Hop, là.
Je vais prendre une pile. On stocke quand même. Ça. On va ranger. Hop là, donc là, on va mettre en 1, en 2, la sécurité, en 3, le scanner, en 4, la réparation, en 5, le couteau. Voilà. Donc, allons voir. Tout ceci. Merde. J'ai tué le poisson. Bon, tant pis. C'est totalement ma faute là. C'est moi qui est. C'est... Bon, celui-là, c'est pas ma faute. Il y a un moment, je vois pas tout ce que. Je vois pas ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Hein. Désolé, mais bon. Merde. J'avoue que le titane serait assez appréciable, mais en même temps, j'ai un réel intérêt à le prendre, je ne pense pas. Contrôle du diamant aussi, alors je me doute bien que ce sera pas d'une facilité déconcertante. Et pourquoi les végétaux prennent autant de temps à popper? C'est incroyable, ça, je sais pas, c'est, non, ça va être le jeu. Le jeu, puisqu'on est en qualité max normalement, donc c'est pas grave. Alors, on va faire la stratégie du « je suis en surface », comme ça, je vois pas les problèmes qui sont dessous moi. Ah, je vous jure que moi, ça me fait du bien de faire ce genre de truc. Je veux pas voir le dessous parce que je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous ma tronche. Et donc, une terre immergée, vous dites. Bonsoir. Une terre immergée qui flotte grâce à ces trucs-là, qui à ces flotteurs géants. Ça, c'est très stylé. Rendez-vous pour émerger l'aurora. J'y suis. PDA abandonné. We have to board the Aurora. Repair the long range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ, seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Alors, ça oui, évidemment, faut peut-être... Hop là. On va changer un petit coup. Ok, donc... Eh bien, c'est bien, j'ai envie de vous dire, mais... Bon. Voyons voir. Des bolets roses. Je prends. Non comestible. Ok, donc strictement inutile. Oh, quoique, on sait jamais. Prenons. Après, c'est pas très loin. L'avantage, c'est que c'est une île, donc c'est assez facile à repérer. Ouais. J'avoue qu'en même temps, avoir un Simoth arbre bulbe,
Avoir un Simoff alors que on est en terrain. On est au-delà. Écoute, Simoff va me servir de lampe. J'ai viré ma lampe. Arbus Voxel. Je scanne, hein. C'est joli au moins. Ah. Ow. Ça fait mal. Jeune mec, j'aurais peut-être dû prendre. Ok, je peux arriver par la côte en fait. Je suis arrivé par un. Par un trou d'eau. Qui était en son sein. Je sais pas comment physiquement ça peut tenir, hein, mais. On dirait qu'il y a des lampes, on dirait des faux arbres, on dirait des luminaires. Génial. Voilà, les fougères avec des pointes rouges comme ça, c'est extrêmement stylé. Hochette achetée. Ça peut avoir pour objectif d'éloigner les prédateurs. D'accord. D'accord, d'accord. Champignon orange. Regardons, hein. D'accord, donc c'est juste un champignon. J'explore. Vous êtes sérieux? Un bac de culture. Donc il y a eu de la vie ici. Un melon marbré. En voilà une bonne nouvelle. Melon marbré. Oh, ça nourrit bien. Oh merde, non. Ah, je l'ai mis où? Là. Viens là, le melon marbré. Ou même, venez tous. Voilà. Petit melon marbré. Et gros melon marbré. Voilà. Miam, miam, miam. Voilà. Un repas est fait. La planète qui est toujours aussi haute, est toujours aussi grosse et toujours aussi fat. On dirait qu'il y a des... Ouais, c'est... Après, j'ai envie de partir du principe que s'il y avait des... Pour partir d'une logique, c'est que s'il y avait des cultures, c'est qu'il y a eu du monde. Alors, est-ce que ces personnes-là avaient un refuge? Est-ce que ces personnes-là sont encore en vie? Bon, pour le coup, j'en doute. Sinon, je pense qu'ils auraient réagi davantage à l'explosion. Bon, en tout cas, je ne pense pas que ce soit notre civilisation à nous. God damn it, c'est... Oh. Un arbre, tout ce qui est le plus banal. Ok. On avance, on avance. My. Oh my! Des installations, des infrastructures. Attends. Oui, c'est bien ça. J'ai flippé, hein. J'ai vraiment flippé premier degré, là. Alors là, par contre, par où j'avance? Par là. Je sais pas si c'est le chemin conventionnel, mais en tout cas, c'est un chemin qui fonctionne. Si, à mon avis, c'est le chemin conventionnel. Enfin, avec des guillemets quand même. Fusil à stase. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est la montagne qui a l'air de s'effriter. Oh. Porte étanche, très bonne nouvelle. Évidemment, à condition que le jeu m'autorise à la scanner. C'est long. Porte blindée.
eau distillée. Très bien. Bague de culture d'intérieur. Très bien. Les fruits de lanterne. Oh, ça se mange. Oh, merde, j'arrête pas de les balancer. Bon, on va... Hop là. Ok. Observatoire. Oui, effectivement, oui. Je suis dans une bulle de verre et je me suis pas... Ok. Ça veut dire que... On est sur un type d'infrastructure commun à celui qu'on a. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, il y a eu... Une population civile antérieure à la nôtre. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. D'accord. Mais comment ça en fait? Attends. J'ai un milliard de questions. Est-ce que ces personnes-là... Oh my! Il y en a de l'autre côté aussi. Projecteur, très bien. Prenons. Hein. Je ne crache absolument sur aucune forme de matériel disponible. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là. C'est là où j'étais, il me semble. Je vois pas grand-chose d'autre intéressant. Mais si c'était un fils et ses parents, qu'est-ce qu'il faisait là? Je commence par en haut ou par là? Il me rassure en rien. Mais... Ah putain. Évidemment qu'il y a une éclipse à ce moment-là, sans déconner. On va faire ce qu'il y a en haut. Mais je pense que les trois spots sont intéressants. On va voir s'il n'y en a pas un quatrième quelque part. Ah, c'est bon le jeu, t'as fini ton caprice? Non. Toilette dramatique. Allez. Saloperie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la map? Ici, je suis passé. Ah, mais attends, je suis vraiment passé à côté. Ah, je suis peut-être passé à côté, en fait, tout à l'heure. Ah, mais attends. Mais oui, mais je suis passé par là. C'est le moment où je l'ai vu, je devais être genre là. Oui, donc oui, effectivement, oui. J'imagine que ce chemin-là... Oh putain, c'est flippant hein, d'être perdu autant avec autant de flotte autour. J'admets. Alors, à peu près la même infrastructure. Des pots à plantes composites qui me l'ont marbré. Patates chinoises. Oh, merde, les... Oula. Ah oui, c'est... Ah mais, je les ai... Voilà. Chaise pivotante, très bien. Ok, voyons voir ce qu'il a à nous donner ce PDA. Alors, c'était le hashtag 1. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us.
All I'm saying is Ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Maida, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Ok, donc ce n'est pas des gens qui ont été là par choix, ce sont des gens qui se sont écrasés comme nous. C'est-à-dire que leur vaisseau doit bien être quelque part. Non, ça c'est une base, ça ce n'est pas un... Ce n'est nullement un vaisseau. Et pourtant, ils ont fait pousser des trucs, hein. Donc, comme quoi, ça devait marcher. Fusiastase. Ouais. J'ai bien reconnu. On a déjà chopé le premier bout. Le deuxième bout, un plaisir. Alors, il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs. Salle multifonction. J'apprécie. Énormément. scan. Voilà. Tablette violette. Bizarre. Effectivement, très étrange. Mon avis. Mur végétal, bah allons-y. Hein. allons-y. Hop là. Voyons voir. Donc. Le 4, mais j'ai pas le 2. Il est où le 2? What is that thing? I don't know. Found it outside in the sand. Acquired. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. It's glowing. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Ok. Alors il me manque le 2. Là, c'est un truc lumineux. Et je refuse... Par où je peux passer? Il faut que je passe par là? Prenons le maximum de titane que nous pouvons, bien sûr. Et j'ai dans l'inventaire, une tablette. Ok. Il n'y a rien dans cette caisse. Est-ce que si je monte par là... Ouais, je peux aller là. Palme ultra glissante. Ok. New blueprint acquired. Je suis dubitatif sur la démarche à suivre. Bon. Prenons ceci, donc. Consommons-les. Dans ce qu'on va faire, ce qu'on va aller manger. On garde le dernier. Il me manque une pièce. Comment j'ai pu me faire mal en tombant de si peu, de si bas? Est-ce que ce serait pas ça la lumière que je vois? Plant Ming, comme en référence au vase Ming. À mon avis, c'est ça. Ouais, ça y ressemble. You see, Chief, you brought us to this sodden planet. Told us we'd see a lush payday. Now what do we got some 6 weeks later? A dead crew, a habitat that's half buried, food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own.
Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site. A couple hundred meters deep, lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials? Like damn queens. A couple of water filters, a bioreactor, fresh fish. But Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. I'll review your proposal. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore des trucs... Bon. Très sincèrement, je pense qu'ils ne sont pas si loin que ça, s'ils existent. Alors, en fait, le problème, c'est que j'aimerais bien plonger, hein. Mais je sais qu'en dessous, c'est profond, et ça me va pas du tout. Va pas du tout. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, de l'île. S'ils n'auraient pas eu eux-mêmes des choses. L'arbre bulbe. Quelques cailloux qui tombent. Hein. À mon avis, cette zone se désagrège avec le temps et d'ici quelques années, il n'y aura plus rien. Non. Welcome aboard, Captain. C'est pas tout. Rentrons à la base. Ok, donc à 1 km, il y a la supposée base. Enfin, le supposé vaisseau. Très bien. Très bien, très bien. On verra ça. Bon. Eh bien, voilà. Bah, tout simplement, je suis en train de réfléchir un petit peu. Mais oui, non, l'épisode dure depuis bien assez longtemps. Voilà, on va arrêter l'épisode là. Ne poussons pas le bouchon un peu trop loin. Maurice. On verra ce qu'on pourra faire avec la... nos petites nouveautés. Parce qu'on a débloqué pas mal de nouveaux crafts. Et donc ça m'intéresserait de savoir ce qu'on peut en faire. En toute sincérité. Bah non, mais... le nombre de poissons qui crèvent, c'est pas possible. Bon, retournons à la base, ouais, ça va être important. Et donc, globalement, donc, les deux sont morts. Troisième est mort d'une maladie. On n'a pas plus d'infos que ça. Ouais. Il n'y a plus du zboob. De toute façon, prochain épisode, on a pas mal de craft à faire. Et on verra, puisque 250 mètres, en vrai, c'est faisable. On pourrait y aller sans trop de problèmes. Voilà. Hop là, rentrons dans notre petit repère. Hop là, on va décharger cette pile. Décharge cette pile. 1, 2. Et voilà. Et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ma voix facile partir en couille. On parlera à la radio et tout ça au prochain épisode. Sur ce, je vous fais tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou, il y a une énorme couille nucléaire qui passe le plafond. C'est extrêmement perturbant.